Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du VO Nardèche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, merci de mettre un petit pouce bleu, merci de cocher la cloche et de noter toutes les notifications. Et aujourd'hui, on va parler d'une marque qu'on n'entend plus beaucoup parler, et pour cause, une marque de luxe. Et on va parler de Bentley et Bentley qui se lance également dans la production et dans l'offensive, on va dire, sur le véhicule électrique. Et Bentley qui nous annonce également 5 modèles d'ici 2030. Alors, on en parle tout de suite. Alors, Bentley à l'offensive avec 5 modèles d'ici 2030. Alors, à l'occasion d'un nouvel événement, donc Beyond 100, Bentley a apporté de nouvelles informations sur son programme d'électrification. Le constructeur avait déjà affirmé fin 2020 son intention de convertir toute sa gamme à l'électrique d'ici 2030, avec un premier modèle lancé à l'horizon 2025. Alors, en attendant 2025, l'électrification passera par de l'hybride rechargeable, hein, même si l'hybride rechargeable, je vais vous dire, je ne vais pas me faire des copains, je sais que je ne vais pas me faire des copains, mais l'hybride rechargeable, si vous avez peur de passer à l'électrique, je veux bien admettre que ce soit un palliatif, peut-être. Et encore peut-être, parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'avec de l'hybride ou de l'hybride rechargeable, a fortiori avec de l'hybride rechargeable, vous embarquez deux motorisations, une motorisation thermique et une motorisation électrique. Ça veut dire que quand vous roulez à l'électrique, vous tractez le surpoids du moteur thermique et de ses organes. Et quand vous êtes à l'inverse, c'est l'inverse. Donc, dans tous les cas, avec un véhicule hybride, hybride rechargeable, vous surconsommez par rapport à un modèle équivalent ou 100% électrique ou 100% thermique. Là-dessus, je referme donc la parenthèse et on revient à Bentley pour vous dire que les nouveaux modèles qui vont apparaître, c'est 5 in 5. C'est ainsi que Bentley nomme son plan produit d'électrification. 5 modèles en 5 ans à partir de 2025. Donc on est toujours entre 2025 et 2030. Dans ce nombre, on comptera à la fois des renouvellements de véhicules, des renouvellements de gamme et des extensions de gamme, ce qui semble logique puisque la gamme actuelle ne comporte que 3 modèles. Donc, attention, dans le décompte, il est fort probable que la Continental soit une case mot compte double, puisqu'elle devrait être comptée, elle devrait sortir en 2 carrosseries, en coupé et en cabriolet. Il n'y aura donc qu'un seul nouveau modèle en attente. Le premier lancement prévu est pour 2025. On attend en effet le lancement d'un gros SUV à mi-chemin entre le SUV profilé et la berline haute, qui serait basé sur la plateforme PPE du groupe. Voilà. Alors, hasard du calendrier ou pas. Porsche prévoit aussi ce type de véhicule à peu près dans la même fenêtre de temps, un projet qui serait en lien avec le projet Artemis d'Audi. Donc, oui, hein, forcément, ils appartiennent tous au même groupe. Donc, le second modèle devrait être la remplaçante de la Bentayga. Son lancement interviendrait en même temps que celui du Porsche Cayenne, toujours sur la plateforme PPE. Alors, le renouvellement de la famille Continental devrait débuter à l'horizon 2027
qui est coupé d'abord, puis le cabriolet, la berline devrait clore le bal du passage à l'électrique en 2029. Alors vous voyez, ces trois modèles devraient adopter, pardon, excusez-moi pour le cafouillage, devrait adopter la plateforme SSP de nouvelle génération. Alors, modernisation de l'usine, mais les annonces du passage à l'électrique de Bentley ne concernent pas que la gamme de véhicules. L'usine sera profondément remaniée pour entrer dans un nouvel ère digital. Oubliez les clichés des artisans travaillant le cuir et le bois. Les Bentley électriques seront assemblés dans une Dream Factory qui tient plus du laboratoire clinique. Au final, le plan produit et industriel nécessitera un investissement de 2,5 milliards de livres sterling, 3 milliards d'euros. Il s'accompagne surtout d'objectifs de réduction des émissions de CO2 pour l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement ses produits. Le réseau de distribution sera donc neutre en carbone d'ici 2025, l'ensemble des activités de la marque en 2030 sera donc neutre en carbone d'après les informations que nous communique Bentley. Alors une fois de plus, on avance pas vite, mais on avance. Et vous voyez que même les marques de luxe, elles y viennent. De toute façon, choix ou pas choix, l'électrique, il va falloir y venir. Alors, je comprends les doutes et le questionnement des gens, parce que le questionnement, il est normal. C'est pour ça qu'on va faire des lives, comme je vous le disais, sur la chaîne, parce que, il faut qu'on avance. Il faut qu'on vous explique que de rouler à l'électrique, les a priori, ben, on va le partager avec des gens, qui roulent déjà avec des véhicules électriques, et vous verrez que c'est pas sorcier. C'est vraiment une appréhension qui n'a plus lieu d'être quand on utilise. Donc on a parlé de Bentley et on va parler également d'Allego. Allego, c'est quoi? C'est un groupe qui fait des bornes de recharge et qui arrive en France et qui va s'installer sur les autoroutes. Alors la différence entre Unity et Allego, c'est principalement donc le tarif. Mais avant d'en arriver au taux, qui est Allego? Alors, comptant comme l'un des principaux acteurs en matière de recharge, le groupe néerlandais Allego arrive désormais sur les autoroutes françaises. Après la signature d'un partenariat avec Carrefour qui prévoit l'installation de plus de 2000 points de recharge d'ici 2023, ça tombe bien, il va falloir qu'ils se dépêchent. Allego arrive désormais sur les routes françaises, sur les autoroutes françaises. La première borne a été récemment déployée en Alsace, plus précisément sur l'aire de Bruch, sur le grand contournement de Strasbourg. À ciel ouvert, il faut croire que les conducteurs de véhicules électriques sont imperméables dans l'imaginaire des opérateurs. Alors oui, ça, je peux vous dire que dans l'imaginaire des industries qui posent les bornes, on est complètement imperméable. Parce que autant pour les véhicules thermiques, vous avez des hauts vents, vous êtes à l'abri quand vous faites le plein. Là, en véhicule électrique, on a le droit de se mouiller. De toute façon, c'est pas grave. Cette station donc sur l'air propose 8 places pour un total de 5 bornes. Trois d'entre elles proposent deux câbles CCS d'une puissance maximale de 300 kW, de quoi alimenter jusqu'à 6 voitures compatibles en charge ultra rapide. Le parc se compose aussi de deux bornes tri-standard avec une prise CCS de 50 kW, une prise CHAdeMO de 50 kW
et une prise de type 2 43 kW en alternatif. Alors, je vous disais, là, eh ben, au niveau tarif, par rapport à Unity, eh ben, le réseau sera plus abordable. Le prix de recharge est de 50 centimes sur les bornes tri-standard. Il faut compter un peu plus avec les unités rapides, avec une recharge affichée au prix de 59 centimes. À noter que la grille tarifaire annoncée par Allego ne prend pas en compte les frais appliqués par les opérateurs de mobilité. Alors ça, on le sait tous, hein, les opérateurs pour mobilité, ils font pas les cons pour rien. Voilà. Maintenant, on est bien content de les trouver.